en cas de coup de stress, pratiquez cet enchaînement respiratoire. Chaud, froid, petite bouche grand bruit. Chaud, froid. Chaud est une expiration bouche grande ouverte, comme pour mettre de la buée sur une vitre ou réchauffer les mains. Froid vient approfondir l'expiration en chaud. C'est comme pour refroidir une soupe. Petite bouche grand bruit, c'est inspirer de l'air très puissamment en serrant les lèvres comme pour mimer l'aspiration à travers une paille. Le but de cette inspiration particulière est d'ouvrir les côtes basses. Enfin, on répète simplement chaud et froid. Et vous terminez par une inspiration tranquille, passive par le nez. Cela donne chaud. Au bout du chaud, le froid. Petite bouche, grand bruit. Plus grand possible. À nouveau chaud. Expirez le plus profondément possible. Au bout, prolongé par le froid. Et puis là, inspire zen, juste une inspire tranquille par le nez. Essayons ensemble. Chaud. Encore, encore. Froid. Petite bouche, très grand bruit. Encore inspiré. Chaud. Bouche grande ouverte. Expirez aussi profondément que vous pouvez. Quand vous n'avez plus d'air en chaud, passez par le froid. Et inspire zen. Vous remarquez que l'inspire zen, c'est une inspiration. Vous ne cherchez pas à tirer pour remplir vos poumons, vous laissez simplement l'air revenir à l'intérieur de vous, par le nez, tout tranquille. Voilà, bravo, vous venez d'apprendre et de pratiquer la clé numéro 1 de Coach Respiration. N'hésitez pas à l'utiliser en la répétant 2 à 3 fois lorsque vous avez besoin d'abaisser votre tension nerveuse ou des tensions musculaires. Vous aurez immédiatement un effet relaxant sur le corps. Cette clé de coach respiration s'utilise ensuite en combinaison avec des mouvements dans les mouvements complets de coach respiration. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenez soin de notre si jolie planète et à bientôt pour une prochaine vidéo de coach respiration.